Salut à tous, allez aujourd'hui je vous présente la E30 Fishing en 3-12 grammes en 2m16. Je vais vous expliquer les avantages par rapport à la 1,7 grammes qui fait 1,80. C'est sa grande sœur que j'ai installée avec toujours le petit Semar CTX25. Et vous allez voir un petit peu les avantages de cette canne, pourquoi avoir la 1,80 et pourquoi avoir la 2,16. C'est parti. Voilà, on va parler un petit peu de la 30 Fishing en 3-12 grammes hein, en 2m16. Donc là, comme on peut voir, là je suis sur une zone de barrage où il y a entre 6 et 7 mètres d'eau. Donc c'est un grand gabarit, hein, comme vous pouvez voir, c'est assez large. Premier avantage de cette canne, bon voilà, c'est qu'on peut quand même lancer à de grandes distances, avec de faibles grammages, hein, entre 3 et jusqu'à 12 grammes bien sûr, dû à sa longueur. Et bon, comme elle est équipée comme la 1,80 en 1,7 grammes de la technologie UFR, elle est assez costaud et elle est assez sensible aussi, ce qui permet de sentir la moindre touche aussi bien à distance qu'à profondeur. D'ailleurs, vous allez avoir l'exemple là à l'image où il y a un cendre qui me fait un léger gratouillis et voilà. Voilà, là je le sens et le ferrage est immédiat quoi. Donc, ce qui est assez agréable, hein, c'est que vraiment elle est très tactile et même un cendre qui n'est pas énorme ou même plus beau, hein, qui ferait une touche subtile, ça passe pas inaperçu. Donc ce qui permet quand même pour les pêcheurs débutants ou aussi bien confirmés, d'avoir plaisir à sentir la touche, de sentir ce qu'on appelle le coup de téléphone assez rapidement et de pouvoir réagir en conséquence. Donc ça, c'est vraiment un très très gros avantage de la part de cette canne, quoi. Voilà, voilà, joli petit cendre. Donc, autre avantage, hein, voilà, c'est que, oui, bien sûr, sur la 3,12 grammes, c'est comme la 1,80, on a les anneaux CCS SIN, hein. Donc je vais pas revenir sur le système, hein. C'est juste que c'est beaucoup plus performant que les anneaux SIC. Ce qui permet bien sûr une meilleure glisse et des lancers beaucoup plus distants. Elle s'adapte à beaucoup de techniques, comme on peut voir ici. Hein, ben, voilà, par exemple, les plombales qui sont proposées dans le kit Savage, avec les rig grub hein, en 11 cm, avec les différents plombales de 5 à 10 grammes, et qui s'avèrent parfaits pour cette canne. Hein, voilà, qui permet de pêcher correctement et de ferrer de façon efficace. La canne a une action assez faste pour ferrer en texan assez correctement. Donc là vous allez avoir encore une fois la preuve à l'image que ça marche sans aucun souci et que c'est assez efficace. Et que encore une fois la sensibilité de la canne permet de sentir la moindre touche sans aucune contradiction, c'est vraiment immédiat et de pouvoir réagir en conséquent et d'appuyer un ferrage. Donc c'est quand même assez bluffant hein, quand on connaît le prix de la canne, de voir que voilà quoi, on peut faire des poissons avec du matériel voilà à moindre coût quoi.
Là, on peut voir encore avec un petit 3D Fry, hein, avec le montage Slick Head. Hein, vous savez, ce petit clip que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps, là où on peut monter différents texans avec différents volumes, différentes tailles de texans, qui est proposé en différents grammages, qui va aussi très bien sur cette canne, qui permet voilà, de travailler ses leurres correctement et de pouvoir optimiser sa pêche sans aucun souci. L'action de la canne permet de ferrer en texan sans aucune difficulté et de pêcher bien sûr des endroits encombrés et de pouvoir lancer à distance et sentir ce qu'on fait encore une fois sans aucun problème quoi. Alors quand on sait qu'on a une affaire à une petite tuelle en 3-12 grammes, on pourrait se dire que voilà quoi. Niveau poisson, il va falloir y aller mollo. Et pas forcément, hein, encore une fois, grâce à la technologie UFR, hein, comme c'est une canne qui est assez robuste, hein, comme je vous dis, qui est pour moi vraiment une canne qui est idéale pour ceux qui débutent, hein, ceux qui sont un peu brutaux avec le matériel ou quoi, mais pas spécialement non plus, hein, je veux dire, les confirmés vont certainement prendre plaisir à pêcher avec. Et elle permet de brider aussi de très très beaux poissons. Je sais qu'avec la 1,7 grammes, j'ai sorti bon, un silure d'1,05 m avec, j'ai fait un brochet de 90+. Bon voilà, hein, en y allant mollo bien sûr, hein, c'est pas non plus des cannes qui sont destinées pour ça. Mais la 3,12 grammes m'a permis de mater quand même de très très grosses perches et du brochet sans trop de difficultés. Elle permet quand même de brider de très beaux poissons. Ce qui est quand même encore une fois un atout de sa part quoi. Donc voilà, avec un petit moulinet Semar CTX25 et cette petite canne, ça nous fait quand même un ensemble à moins de 130 euros. Moi je trouve qu'Okuma là nous propose un produit de qualité à moindre coût, à moindre prix. Donc si vous cherchez une canne pour faire du street, une petite cannuelle pour aller à la truite ou le rock fishing, moi je vous donne qu'un conseil. Hein, foncez dans votre magasin le plus proche ou commandez, ça vaut vraiment le coup. Thank you.
Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de la présentation de la Light Rod Fishing Okuma en 3-12 grammes vous a plu. Je vous dis à bientôt. Salut les gens.